Aujourd'hui, je vais vous parler du projet Lilio. C'est un projet énorme et magnifique. Lilio, c'est un petit garçon adorable qui a eu de graves problèmes de santé après un vaccin quand il était bébé. Et aujourd'hui, il se bat pour être autonome et apprendre à marcher. Et Lilio, il adore nos vidéos et il m'a demandé de faire un triathlon avec lui. Et comme son histoire m'a touché, eh ben moi, j'ai dit oui. Le seul problème, c'est que j'étais pas sportif du tout. Mais alors, pas du tout. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je me suis mis au sport. Je vais à la salle de sport et je peux te dire que de la faute, je commence à me pousser. Je dis pas que l'année prochaine, je vais jouer à l'USAP, mais on n'est pas loin. Le vélo, c'était difficile pour moi, mais je m'y suis mis. Ça va, je commence à avoir un coup de pédale assez fort. La course, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je cours, hein, donc je m'améliore. Et la natation, ben, la natation, c'est pas facile. Hein. Surtout que je pars du niveau 0. Même niveau moins de 10, on peut dire. Mais bon, y a pas de raison, hein, je vais le faire. Donc, normalement, je ferai la course Ironman XS à Argelès le 18 juin. Vous pouvez venir nous encourager. Je vous explique un peu le Ironman XS. XS, parce que c'est le plus petit, hein, faut pas déconner quand même. Bon, c'est déjà assez dur, hein. Il y a 350 mètres de natation, c'est déjà beaucoup. Suivi de 10 km de vélo, et après 2 km 500 de course. À pied, je le ferai bien sûr avec Lilio, et pour vous expliquer un peu, je vous ferai une vidéo de l'entraînement et après une vidéo du jour J. Et c'est là que nous avons besoin de vous. Nous avons créé une cagnotte pour l'association Lilio, l'ange illibérien. Je vous mets le lien avec la vidéo ou même dans la vidéo. Vous le verrez, vous pouvez pas le louper. Les fonds récoltés serviront à financer un séjour de 15 jours dans un centre de rééducation fonctionnelle à Madrid. Et maintenant, je vais vous expliquer un peu les contreparties des dons, parce qu'il peut y avoir des particuliers et des professionnels qui peuvent donner. Donc, de 5 à 50 euros, c'est votre nom qui sera dans le générique des deux vidéos. De 50 à 200 euros, ça s'adresse plus aux entreprises, c'est pour mettre le logo de votre entreprise à la fin de la vidéo. Mais vous pouvez très bien être un particulier et donner 200 euros, hein. Et pour les dons de plus de 200 euros, c'est bien sûr tout ce que j'ai dit avant, plus le logo de l'entreprise sur le t-shirt que nous porterons le jour J de la course. Voilà, je pense que j'ai été super clair. On a besoin de vous, c'est important. Partagez cette vidéo, mettez des pouces en l'air. Moi, je m'investis à fond les ballons. On va le réussir, ce triathlon. Je vous dis à très bientôt. Adieu !